toujours ces longs ballons envoyés en direction de Mundubu qui arrive à frapper. Ça a été contré. Entre ces deux formations de Port-Louis. Ça s'est bien joué pour Dupré. Le centre. Ouh, la sortie du gardien. Deuxième chance pour Gianluigi Hubo. Lutter Rose qui a essayé de donner un KOA. Giovanni Vincent pour la frappe du pied gauche. C'est cadré, mais c'est capté par Jean. Eh bien, il va tenter sa chance directe. Mundubu. Et c'est dedans. Superbe but de Didier Mundubu. Troisième but en l'espace de deux matchs pour l'attaquant de la Cure Sylvestre. 11e minute de la partie. 1-0 pour la Cure Sylvestre grâce à ce coup. Pour la SPL 2000, second poteau, la tête d'Emmanuel Vincent. Et au second poteau, ici, c'est Hubo, le jeu en triangle. Franck Diagabaté maintenant, qui va changer complètement de côté transversal, qui marche à merveille avec Dupré qui est de ce côté. Dupré qui lève la tête, le centre, personne pour récupérer ce ballon. Gianluigi Hubo, frappe contrée par l'incontournable Isaac Mensah. Luther Rose, la frappe et intervention en catastrophe en deux fois. C'est bien joué pour Jérémy Kawa qui fait l'effort pour aller prendre ce ballon. Kawa, pleine surface. Bruno Ravina pour l'égalisation. Ça passe tout juste à côté. Mundubu qui a le ballon. La frappe tentée. En difficulté dans sa prise de balle, mais qui arrive à tacler ce ballon pour Isaac Mensah. Mundubu, c'est bien joué. Il y a des espaces devant. Axel Arekion qui arrive à centrer. C'est en retrait pour Mundubu qui essaie de se retourner. Non, c'est en retrait pour Isaac Mensah. Attention, il a une bonne frappe ce dernier, mais malheureusement, il n'arrive pas en l'axe. Isaac Mensah. Gianluigi Hubo. C'est bien joué dans la profondeur. Franck Diagabaté, il est parti pour battre le gardien. Non, ça passe à côté. Encore une fois, c'est à quelques centimètres. Reculeux de la part du gardien adverse. Il y a de tout pour empêcher un but de la SPL 2 qui s'arrache pour faire le travail défensif. Ce ballon qui a été contré. C'est la pierre qui fait l'effort et qui s'approprie de ce ballon. Il est passé. C'est la pierre. Le ballon renvoyé, mais ça reste. Et cette frappe, il se couche parfaitement bien. Mensah. Frappé en force. Mundubu qui essaie de corriger la trajectoire, mais c'est hors cadre. On voit, eh bien, il va certainement tenter sa chance directe. Emmanuel Vincent pour ce coup franc. C'est bien envoyé, mais c'est direct sur le. Franck Diagabaté pour ce coup franc. C'est bien envoyé. Il a su que les joueurs dans le mur. C'est bien envoyé. Bien tenté pour trouver Franck Diagabaté de ce côté du terrain. Il s'infiltre dans la surface. Diagabaté en retrait pour Luther Rose qui rate complètement sa reprise. C'est ce que lui a demandé l'arbitre. Le corner a joué très haut. Capté difficilement et ça termine sa course au fond des filets. Ça fait 2-0 pour la Cure Sylvestre. Grosse faute de main de la part de Steward Léopold. C'est vrai, par un temps pareil, c'est pas évident de maîtriser les ballons, que ce soit au sol ou dans les airs. Et là, il s'est fait prendre comme un bleu. Giovanni Vincent, attention, il faut appuyer un peu ses passes. Aïdare dans la profondeur pour Mundubu. Mundubu n'est pas hors jeu. Mundubu, difficile pour lui de conduire proprement ce ballon. Mundubu dans la surface. Et le troisième but pour la Cure Sylvestre. C'est une action personnelle de la part de Mundubu. Et ça fait 3-0 à la 85e minute. We'll be right back.
au centre technique de la MFA. Vincent, second poteau, la sortie du gardien. Ah, il s'est